for the disciples to finish it. Pour que les disciples puissent les terminer. As soon as they went there, si longtemps qu'ils sont partis là, it was Peter and John. C'était Pierre et Jean. Peter representing faith. Pierre représente la foi. The first one in the stature of a perfect man. Le premier dans la statue de l'homme parfait. John representing love. Jean représente l'amour. The last one in the stature of a perfect man. Le dernier dans la statue de l'homme parfait. The Alpha and the Omega. L'alpha et l'oméga. They said such as we have. Il dit ce que nous avons. We give unto you. Nous te les donnons. And there was a miracle. Et il y avait un miracle. And I believe this morning. Et je crois ce matin. There shall be a miracle. Il doit y avoir un miracle. You are not going back the same. Tu ne sortiras pas le même. No matter what situation you have. Avec quelle que soit la situation que tu Only as, believe, crois seulement. All things are possible. Toutes choses sont possibles. The angel's favorite song le chant des anges favoris was only believe. C'était crois seulement. There is a difference between believing. Il y a une différence entre croire and only believing. Et croire seulement. Because if you are only believing, car si tu crois seulement, you don't have plan B for your tu n'auras life. Pas un plan B pour ta vie. You say if God does not answer, tu dis si Dieu ne répond pas, I have no other answer. Je n'ai pas d'autre réponse. When you come to God, si tu viens vers Dieu, don't come with plan B. Ne viens pas avec un plan Just B. Just depend on Him. Tu n'as qu'à dépendre sur lui. Let me say a few statements from that angel. Laissez-moi dire quelques déclarations de cet ange. It's going to please Him because He is here today. Ça va le plaire car il est ici maintenant. That angel said. Cet ange a dit. If you are only sincere. Si tu es seulement sincère. Not even cancer. Même pas le cancer. Can stand before your prayers. Peut résister à ta prière. And I say with authority this morning. Et je dis sous l'autorité ce matin. There is nothing. That can stand before our prayers qui peut résister today. À nos prières aujourd'hui. Your before and your after, the way you were before this service is not the same as the way you shall be after the service. La manière dont tu étais avant ce service, ça ne sera pas la même manière que tu seras après ce service. That angel said. Le même ange a dit. Your thoughts in heaven speak louder than your words on earth. Tes pensées au ciel ça parle plus haut que tes paroles. In other words, you can move at the speed of a thought. Ça veut dire que nous pouvons nous déplacer par à la vitesse des pensées. What you are thinking and desiring now can happen before you speak it. Ce que tu penses et que tu désires peut arriver avant que tu le prononces. Even your unspoken requests. Même tes requêtes que tu n'as pas encore exprimées. God is answering those requests Dieu now. Dieu répond à ces requêtes. And no one is going back empty-handed. Et personne ne pourra sortir d'ici vide. We've got the power in the name of Jesus Nous Christ. Avons la puissance dans le nom de Jésus. The word of God is creative power. La parole de Dieu c'est la puissance créative. Even when you die and you are just maybe a spoonful of dust. Même si quand tu vas mourir tu seras comme la poussière dans une cuillère. When He calls your name in the resurrection. Mais quand il va appeler ton nom dans la résurrection. Out of that dust the members of your body shall be created. De cette poussière les membres de ton corps seront créés. Even out of nothingness in your life. Même en dehors de rien dans ta vie. When we speak the word, quand tu prononces la parole, some things will start appearing. Quelque chose va commencer à apparaître. As I'm speaking the word now, comme je prononce la parole maintenant, God is joining pieces of your life. Dieu est en train de rejoindre les pièces de ta vie. When Ezekiel went to the valley of dry bones, quand Ezekiel est allé vers dans la vallée des eaux séchées, he found a discouraging situation. Il a trouvé une situation décourageante. Things were disjointed. Et les pièces étaient one bone was that way and the other séparées. One was that le l'os était l'autre côté, l'autre Maybe côté. Maybe things are disjointed in your life. Parfois, les choses sont séparées dans votre vie. Your family is disjointed. Votre vie, votre famille your est divisée. Are disjointed. Votre finance est divisée. Ezekiel was expecting God to do something. Ezekiel s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose about the situation, de cette situation-là. But God was expecting Ezekiel to do something. Mais Dieu aussi s'attendait à ce que Ezekiel fasse quelque chose. He was waiting for Ezekiel to speak. Il attendait à ce qu'Ezekiel puisse parler. And God was going to perform. Et Dieu allait faire. And Ezekiel now started speaking. Alors Ezekiel a commencé à parler. He said, "Oh ye dry bones." Il dit, "Oh, vous autres desséchés." Hear the voice of the Lord. Écoutez la voix du Seigneur. I'm declaring this morning. Je déclare ce matin. Oh you dry marriages. Vous les mariages séchés. Oh you dry finances. Vous la finance séchée. Oh you dry Christians. Vous les chrétiens séchés. Hear the word of the Lord. Écoutez la parole du Seigneur. Behold, there was a shaking. Il y avait un tremblement. Something started happening. Quelque chose a commencé God à arriver. Started moving. Dieu a commencé à se mouvoir. Joining the pieces. Et rejoindre les pièces. Ezekiel Ezekiel did not need to sprinkle
hot holy waters. Ça ne lui demandait pas qu'il puisse jeter l'eau sainte on the bones sur there. Les eaux. Là. He did not need anointing oil. Il n'avait pas besoin d'huile d'onction. He needed to speak the word. Il devait juste parler. Wherever you are seated there, partout tu es assis if là, you speak the word, tu n'as qu'à parler about your situation. Sur ta situation. The same way Moses spoke the word. La même manière que Moïse a parlé. The Egyptians that you see, disant que les Égyptiens que vous voyez, you shall see them no more. Vous ne les verrez plus jamais. The cancers that you see, le cancer que tu you vois, shall see them no tu ne les verras plus jamais. The ulcers that you see, la, the ulcers, les ulcères que tu as, the diseases vois, that you see, la maladie que tu you vois, shall see them no tu ne la verras plus jamais. Our God is able. Notre Dieu est capable. If you only speak, si seulement tu prononces la he parole, will perform what you have spoken. Il va faire ce que tu as prononcé. I'm talking about the power of faith. Je parle sur la puissance de la foi. There are levels of faith. Il y a le niveau de foi. There is a level of faith when you pray for your food. Il y a le niveau de foi quand vous priez pour votre nourriture. And when you say amen, et quand vous dites amen, you believe it's already blessed. Vous croyez que votre nourriture est bénie. And no man can argue with you. Et personne ne peut discuter avec toi. That's how you should believe for anything. Et c'est comme ça que tu dois croire pour toute chose. That when we say amen, que quand tu dis amen, you throw away your crutches. Alors tu jettes tes béquilles. Jesus Christ is still the healer. Car Jésus-Christ est le guérisseur. We are here in the spiritual hospital. Nous sommes ici dans l'hôpital spirituel. This is a spiritual hospital. Ceci est l'hôpital spirituel. The doctor here, le docteur ici, is Dr. Jesus. C'est le docteur Jésus. We the preachers, nous les prédicateurs, are junior doctors under Dr. Jesus. Nous sommes les semi-docteurs sous le docteur Jésus. The nurses are in white, they are the angels in white. Les infirmiers sont en blanc, ce sont les anges en blanc. And we have an injection. Et nous avons les injections. When Peter was preaching, quand Pierre prêchait, they were pricked in their heart. Ils étaient touchés dans leur cœur. They said, "Men and brethren, what shall we do?" Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? He says, "Repent, every one of you." Répentez-vous chacun d'entre vous. The hospital has different departments. Alors l'hôpital a des départements différents. I know some of you are in the department of financial problems. Certains d'entre vous sont dans le département de la finance. Some are in the department of backsliding. Les autres sont dans le département de retardation. Some are in the department of marriage problems. Les autres sont dans le département de, like des problèmes de mariage. Bethesda, had five pouches, five words. Comme dans la piscine de Bethesda, il y avait trois porches. But quatre porches plutôt. I like one department in a hospital. Mais j'aime un département dans l'hôpital. It's the maternity department. C'était le département de la maternité. I want to see people born again. Je veux voir les gens naître de nouveau. Born of the Spirit of God. Nés de l'Esprit de Dieu. And we have a new start center in the hospital. Nous avons un nouveau centre qui commence dans l'hôpital. You can start afresh with Christ. Vous pouvez aussi recommencer avec Christ fraîchement. You can be circumcised. Vous pouvez être circoncis. The lips and your heart. Votre cœur et votre langue. And you are vos lèvres. A new creature. Et vous êtes là une nouvelle créature. The specialist in this hospital. Le spécialiste dans cet hôpital. Is Jesus Christ. He specializes in things not impossible. C'est Jésus-Christ qui est spécialisé dans des choses impossibles. All other hospitals. Et dans d'autres hôpitaux. They have an accounts department where you pay, but this hospital there is no account department. Department, it was paid at Calvary. Ils ont un département là où vous allez payer, mais cet hôpital n'a pas de département où vous irez payer, car ceci a été déjà payé au calvaire. All hospitals have a mortuary because doctors lose some cases, but this hospital has no mortuary because he has never lost a case. Tous les hôpitaux ont des morgues parce que les docteurs, des fois, il y a des cas qui les dépassent, mais cet hôpital n'a pas de morgue. You see, in some of the cases. Dans certains cas, dans notre hôpital, you need to be admitted. Vous devez y être admis. Sometimes if you have a problem, we leave you all night here. Parfois, vous avez un problème, nous vous laissons ici toute la nuit. Praying, admitted until it happens. Vous priez jusqu'à, vous êtes admis là jusqu'à ce que cela arrive. Do you know the first operation was before the doctor started operating people and God operated Adam? Vous savez, la première opération, c'était avant que les hommes commencent à opérer, et c'était l'opération que Dieu avait fait sur Adam. The first heart transplant was when God says, "I'll give you a new heart and a new spirit." Le premier transplantation de cœur était quand Dieu avait dit, "Je te donnerai un nouveau cœur et un nouveau esprit." The first ultrasound scan was when Rebecca went to God and she was told the gender, that is two men inside, and it also told them their future. Le premier rayon X, c'était quand Rebecca est allée vers Dieu, on lui a dit que tu as deux nations en toi et on lui a dit même leur futur. The first eye operation was when Christ operated that person who was born blind. Et la première opération que Dieu a fait sur l'œil était quand Dieu la première opération sur l'œil était quand Dieu avait fait sur cet aveugle là. The first mouth to mouth resuscitation was when Elijah was upon that boy mouth to mouth and feet to feet. Et la première opération de
bouche à bouche, bouche contre bouche. C'était quand Élie s'était sur ces garçons-là, avait mis bouche contre bouche. So there is nothing new on earth. It's pour les réanimer. It all started in the Bible. Et cela a commencé dans la Bible. The first sliding gates that I saw. Et la première lumière que j'ai vue. That just opened on their own. Qui s'est ouvert de soi-même. Was when Peter was coming out of prison. C'était quand Pierre est sorti de prison. And the gates just opened automatically. Oh, et les portes se sont ouvertes de soi-même. And your doors to success will open automatic. Et les portes pour votre succès pourront s'ouvrir automatiquement. So we are here for a soul examination. Alors nous sommes ici pour l'examen de l'âme. That will remove the STI, spiritual transmitted diseases. Et nous allons enlever les maladies contagieuses spirituelles. The diseases of the soul. Les maladies de l'âme. Such diseases like failing to read the spoken word. Les maladies comme faillir à lire la parole parlée. Such diseases like sleeping in church. Les maladies comme dormir dans l'église. Such diseases like spiritual amnesia. Les maladies comme l'amnésie spirituelle. We have a prescription. Nous avons une prescription ici. There is no pharmacist that can change a doctor's prescription. Et nous n'y a aucune pharmacie qui peut changer la prescription du docteur. We as the preachers don't change what is written. We preach it as it is. Nous, en tant que prédicateurs, nous ne changeons pas ce qui est écrit. Nous prêchons juste comme cela est. The word of God is the strongest painkiller. La parole de Dieu et c'est. Is the strongest antibiotic. Ok, c'est un grand antibiotique. Now, l'antibiotique fort. When we read in Hebrews chapter 11. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11. Is the hero's acre of the warfare of faith. Ce sont les héros de la foi. It is the CV of faith. C'est les gens qui tiennent la foi. What faith has done. C'est que la foi a fait. But when you read Hebrews 11, mais quand vous lisez Hébreux 11, it says they without us are not perfect. Il est dit que eux sans nous ils sont pas parfaits. So meaning you can also step into Hebrews 11. Ça veut dire que tu peux aussi entrer dans Hébreux 11. And our testimonies must be higher than those of Hebrews 11. Et notre témoignage doit être plus haut que ceux d'Hébreux 11. Because without faith, it is impossible to please God. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. When I'm preaching like this, I want you to believe that something will happen to you. Et comme je prêche comme ceci, je veux à ce que vous croyez que quelque chose va vous arriver maintenant. I'm not preaching to all of you, but I'm preaching to you only. Je ne prêche pas à vous tous, mais je prêche à toi seul. I'm not preaching to the whole crowd, but only to you. Je ne prêche pas à tout le monde, mais à toi seul. Faith is a revelation. La foi est une révélation. When something is revealed to quand quelque chose t'est révélé, there is not enough devils in hell to stop it from happening. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour stopper cela à ce que ça arrive. If it is revealed to you that you receive the Holy Spirit today, nothing will stop it. Si cela t'est révélé que tu recevras le Saint-Esprit aujourd'hui, rien ne pourra arrêter cela. If it is revealed to you that you shall be healed today, nothing will stop it. Si il t'est révélé que tu seras guéri aujourd'hui, rien ne pourra arrêter cela. Faith is a currency. La foi c'est comme un monnaie. It's stronger than the US dollars. Plus grand que le dollar. There is a land where we don't need money. Car il y a un pays là où nous n'aurons pas besoin d'argent. If you have faith, you can afford, you can shop in the heavenly grocery store. Si vous avez la foi, vous pouvez aller acheter dans le magasin du ciel. If I'm going maybe to USA, I change my currency to US dollars because they use US dollars there. Si je pars peut-être aux États-Unis, je change mon argent en dollars car ils utilisent le dollar de l'autre côté. Because we are going to heaven, we change our way of speaking, our way of dressing to how it is there. Nous, comme nous allons au ciel, nous changeons notre manière de parler, notre manière de nous habiller, car c'est comme cela que de l'autre côté. Faith is a hand. Et la foi c'est une main. Through which you can receive from God. Que tu peux recevoir de Dieu. Do you see every promise in the Bible is hanging over you now? Vous verrez maintenant que toutes les promesses de Dieu sont là, suspendues devant vous maintenant. But by the hand of faith, you can jump and get it. Mais par la main de la foi, tu peux sauter et saisir cela. Saying every promise in the Bible is mine. Disant que chaque promesse dans la Bible est mienne. Every chapter, every verse, and every line. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Faith is a seed. Et la foi est une semence. If something is planted in by faith in you. Si quelque chose est planté par la foi en vous. You don't wake up checking tomorrow how far it is. Tu ne pourras pas te réveiller commencer à vérifier comment est-ce que ça sera demain. You just water it with the praise and it's going to erupt, it's going to germinate. Tu vas juste mettre de l'eau et ça va juste germer de soi. So everything that you have believed that it is going to happen this year, do you believe that it can happen even in February, everything? Toute chose que tu crois que ça pourrait arriver cette année, tu crois que ça pourrait arriver même en au mois de février ou
Even in this shortest month, it's enough for everything that you desire to happen in February. Même si cela est le mois le plus court, mais il est possible que toute chose peut arriver. Because with God, nothing is impossible. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Faith is a seed. It's like a mustard seed. La foi est comme une graine de moutarde. Though it's very small, it has big results. Ça peut être petit, mais ça de grands résultats. Faith is a key. Dieu, la foi plutôt, c'est une clé. It's like the key of David, c'est comme la clé de David. Which open it and no man can shut. Qui ouvre, personne ne peut fermer. And it's shut it and no man can open. Et dès que ça ferme, personne ne peut ouvrir. So using that key, we are shutting evil things that they may not happen in your life. Utilisant cette clé, nous allons fermer toutes les portes des choses mauvaises qui ne peuvent pas arriver dans ta vie. And we are opening good things that will happen in your life, and no devil can shut that door. Et nous allons ouvrir les bonnes choses qui pourront arriver dans votre vie, et le diable ne pourra jamais les fermer. We are opening doors for your marriage. Nous allons ouvrir les portes pour votre mariage. We are opening doors for your job. Nous ouvrons les portes pour votre travail. We are opening doors for the Holy Ghost baptism. Nous ouvrons les portes pour le baptême du Saint-Esprit. We are opening doors for a revival. Nous ouvrons la porte pour le réveil. We are opening doors for victory. Nous ouvrons les portes pour la victoire. And no devil can shut that door. Et le diable ne peut plus fermer cela. Faith is a realm. If you rise to that realm, to that sphere, to that bracket, to that channel. La foi c'est comme un niveau quand ou bien dès que vous êtes arrivé à ce niveau-là, where all things are possible, là où toutes choses sont possibles, you dwell in that land and you see succession of miracles. Vous allez vivre dans ce monde-là et vous allez voir le succès et les miracles. Faith is like a channel. La foi est comme un canal. If a TV has not caught a channel, it will be just saving showers. The days of miracles are past. Si une télévision n'est pas connectée à un canal, vous allez, ils vont seulement commencer à dire que non, vous voyez, les jours des miracles sont passés. But when he catches that channel, there's a clear picture. Maintenant, quand ils sont atteints à un canal, il y aura des images claires. They catch the channel of the supernatural. Dès que cela est connecté au canal du surnaturel, and you start seeing things happening today, not tomorrow. Là, tu vas commencer à voir les choses commencer à arriver pas demain, mais aujourd'hui. Do you know how to use a sermon? Vous savez comment utiliser un sermon? You don't wait for the end of the sermon. Vous n'allez pas attendre jusqu'à la fin du sermon. While the preaching is on. Alors que la prédication continue. While Peter yet spake. Alors que Pierre était en train de parler. Those who needed the Holy Spirit were receiving the Holy Spirit. Ceux qui avaient besoin du Saint-Esprit en ont reçu. I don't care even if you are at the back there. Alors je m'en fous même si vous êtes là derrière. The unseen hand of God is moving. La main invisible de Dieu est en train de se mouvoir. And you reach out and touch the Lord. Ça peut, you peut toucher le Seigneur. You must know that today is your day. Tu dois savoir qu'aujourd'hui c'est ton jour. It's the day of your visitation. C'est le jour de ta visitation. It's the day of your deliverance. C'est ton jour It's de la délivrance. The day of your breakthrough. C'est ton jour où tu peux t'en sortir. Anything. God can do anything. Dieu peut faire toute chose. Anytime. N'importe quand. Anywhere. N'importe où. He is the lion that prevaileth. Il est le lion qui a prévalu. He is the mighty conqueror. Il est le puissant conquérant. Faith is a super sense. La foi c'est un super sens. It's higher than the senses of the body. C'est plus grand que les sens de nos corps. You start feeling it before your eyes see it. Tu vas commencer à sentir cela avant que tes Because yeux le voient. You are looking at the unseen. Car tu regardes à l'invisible. You start rejoicing when others are seeing nothing. Tu vas commencer cette réjouir alors que les autres voient rien. Because by faith Moses, car par la foi Moïse, he forsook Egypt. He left Egypt. Il a quitté l'Égypte, il a abandonné l'Égypte. Not fearing the wrath of Pharaoh. N'ayant pas peur de Pharaon. We don't fear demons. We don't fear Satanists. We don't fear witches. Nous n'avons pas peur des démons. Nous n'avons pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur de Satan. He was looking at the unseen. Il regardait à l'invisible. The unseen God was seen in things that could be seen happening around him. L'invisible Dieu voyait des choses qui n'arrivaient pas encore the ici. Unseen God was seen opening the Red Sea. Le Dieu qui était invisible voyait la mer déjà ouverte. The unseen God was seen giving manna. Le Dieu invisible voyait déjà Dieu en train de donner la manne. The God you have never seen, you must see him in action today. Le Dieu que tu n'as jamais vu, tu dois le voir aujourd'hui en action. Faith is like muscles. La foi est comme des muscles. If you don't use your muscles, si tu n'utilises pas tes muscles, they become very thin. Ils seront trop petits. You lose them. Et tu vas le perdre. But the more you use them, et de plus tu les utilises, you gain more of them. Tu as beaucoup d'entre eux. The more you use your faith, de plus tu utilises ta foi, you start having more results. Tu verras beaucoup de résultats. Faith is healing power, so your healing is already in you. La foi c'est la puissance qui guérit, donc la guérison est déjà en toi. If you take a seed, si tu prends une semence, the future leaves of the tree are in that seed. Les futures feuilles de cette semence, plutôt de cet arbre, sont dans cette semence. The future fruits of the tree are in that seed, as small as it is. Les futurs fruits
sont déjà dans cette semence, même si cela est petit. All what you need for your journey is in you. Donc, if you believe in God. Tout ce que tu as besoin pour ton voyage est en toi, si seulement tu crois en Dieu. One day it will start materializing. Un jour, cela va commencer à se matérialiser. Listen, one day you step into what you have believed. Un jour, tu vas te tenir dans ce que tu croyais. One day, what you believe, you shall handle it with your hands. Un jour, ce que tu croyais, tu vas le toucher avec tes mains. In Hebrews 11, they saw the promises are far off. En Hébreux 11, ils ont vu les promesses qui étaient encore loin. And they embraced them. Et ils ont embrassé cela. And they confessed. Et ils ont confessé. You must embrace. Vous devez embrasser. Whatever is written about you, que tout ce qui est écrit à propos de toi, your faith must extract it from the Bible. Ta foi doit sortir de la Bible. Until it's your personal property. Et arriver jusqu'à cela devenir quelque chose de privé pour extract toi. Extract it from the tapes and books. Tu dois faire sortir cela des livres, des brochures et des bandes. Until it's your possession. Jusqu'à ce que cela devienne ta possession. I extract it from the sermon. Tu dois prendre cela du sermon. And it becomes a tangible thing. Et cela devient quelque chose de tangible. It's not enough to have the Bible without the God of the Bible. Ce n'est pas assez d'avoir la Bible sans le Dieu de la Bible. It's not enough to have the spoken word without the God of the spoken word. C'est pas assez d'avoir la parole parlée sans le Dieu de la parole parlée. It's not enough to follow a man of God without the God of the man. C'est pas assez de suivre un homme de Dieu sans le Dieu de cet homme-là. That's why Elijah says, "Where is the God of the Elijah?" C'est pourquoi Élisée pouvait dire, "Où est le Dieu d'Élie?" Where is the God of the message? Où est le Dieu de ce message? We must see the pillar of fire moving today. Nous devons voir la colonne de feu se mouvoir aujourd'hui. We must see the angel of the Lord doing the same works today. Nous devons voir l'ange du Seigneur faire les mêmes œuvres aujourd'hui. What he did in Durban, South Africa, he can do today here. Ce qu'il a fait en Afrique du Sud, il peut le faire encore aujourd'hui. If you only believe, si seulement tu crois, faith is a master of circumstances. La foi est un maître des circonstances. It doesn't matter what you are facing, you shall overcome if you believe. Ça ne dépend pas de à quoi tu sais à quoi tu fais face, mais tu pourras vaincre si seulement tu crois. Faith is like a fishing line. La foi, c'est comme la maison. You just throw the fishing line. Tu jettes la maison. Into the waters of the promises of God. Dans les eaux des promesses de Dieu. When the line goes into the water. Quand la maison descend dans l'eau. Your eyes are not seeing the fish. Tes yeux ne voient pas le poisson. But when you start feeling a resistance. Mais quand tu commences à sentir la résistance. You know that you have caught something. Là, tu sauras que tu as saisi quelque chose. When the devil starts resisting. Quand le diable commence à résister. You pull all the same. Keep pulling. Continue à tirer. You know you have caught something. Tu sais que tu as saisi quelque chose. Everyone must throw their line now. Alors chacun d'entre nous doit jeter you son hameçon maintenant. You are going to catch something. Vous allez saisir quelque chose. You are going to receive something. Vous allez recevoir quelque chose. And today is something unusual. Et aujourd'hui c'est quelque chose d'inhabituel. Must happen to you. Doit arriver aujourd'hui. Those who have never received the Holy Spirit. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. This is your day today. Aujourd'hui c'est votre jour. Those who have never seen the power of healing, power of God. Ceux qui n'ont pas encore vu la puissance guérissante de Dieu. This is your day today. Aujourd'hui c'est votre jour. Faith is a formula. La foi est une formule. If you are doing mathematics and you have a formula, no matter how the numbers change, you get the answer as long as you have a formula. Vous, si vous faites la mathématique et que vous avez une formule, quel que soit que le nombre peut changer, vous êtes sûr que comme vous avez la formule, vous aurez la réponse. No matter how things change, whether it's a financial or marriage, whether même as si les long choses, as you have the formula, you have the answer for all. Même for si you. Les choses changent, que ce soit la finance, le mariage, aussi longtemps que vous avez la formule, vous savez que vous avez la réponse. You have the formula for the rapture. Vous avez la formule pour l'enlèvement. Brothers, if you fail an exam that has leaked, if the exam paper has leaked, it has been seen by people. Si y a fuite de papier. If you fail an exam that has leaked. Et si vous faillissez à un examen dont le papier y avait fuite, you'll be a dunderhead because the paper has leaked. You have seen it. Là, vous serez un ignorant parce que il y avait même fuite de papier, mais vous avez échoué toutefois. But the message is a leaked exam of what is needed ahead. Mais le message, c'est un examen de fuite de ce que nous attendons de l'autre côté. You have the answers already with you. Vous avez déjà la réponse avec vous. Those who are at school know that if the book has answers, they are at the back there. Pour ceux qui sont à l'école savent que si vous avez les livres, il y a des réponses derrière là. So the answers are at the back of the book of Revelation there. Alors les réponses aussi sont derrière le livre de l'Apocalypse. They
divinely revealed mystery truths, les vérités mystères révélées, will give you rapturing faith. Vont vous donner la foi de l'enlèvement. What I'm expecting now, c'est que à quoi je m'attends is maintenant, to see even sisters casting out devils. C'est de voir même le sort chasser le diable. Because the power is in you already. Car la puissance est en vous déjà. With the preaching, we are only jump-starting the power that is already in you. Avec la prédication de la parole, nous sommes en train juste de réanimer la puissance qui est en that vous. God knows your desire. Nous savons que Dieu connaît votre désir. Before you sat where you are seated, God knew that you are going to be seated there. Avant que vous soyez assis là où vous êtes, Dieu savait que vous serez là. He knew the number of your hair. Il connaît même le nombre de votre cheveux. He knows your address. Il connaît your address. He knows your unspoken request. Il connaît même vos requêtes non exprimées. And the angels of God are taking your address to follow you. Blessed is she that believeth. There shall be a performance of those things that the angel spoke. What the angel told Mary, there was going to be a performance. Et ce que l'ange avait dit à Marie, cela devait se passer. Faith is the raw materials of everything that you need. La foi, c'est matérialiser des choses que tu as besoin. So, oh, c'est la matière première des choses que tu as besoin. If you have faith, you have the raw materials for your job, the raw materials for everything that you desire. Si vous avez la foi, vous avez la matière première de votre travail, de tout ce que vous cherchez. Everything will come out from there. Toute chose pourra sortir de là. Faith is a ladder. La foi, c'est une échelle. We are climbing Jacob's ladder. Nous sommes en train de monter sur l'échelle de Jacob. It reaches right to heaven. Cela arrive jusqu'au ciel. Well, in Luke chapter 18, Luc 18, Christ says, when the Son of Man shall come on earth, Christ dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, shall he find faith on earth? Pourra-t-il trouver la foi sur la terre? He didn't say shall he find churches or uniforms or what? No, he says shall he find faith on earth? Il n'a pas dit pourra-t-il trouver l'église sur la terre? Il a dit pourra-t-il trouver la foi sur la terre? That's why Christ, the message is bring back the faith of our fathers. C'est pourquoi le message ramène la foi de nos pères. The problem with people is that they believe the negative more than the positive. Le problème avec les gens, c'est qu'ils croient au négatif plus que le positif. There are some people who believe that they are theologians or goblins. Il y a certains qui croient qu'ils sont des théologiens. Unseen forces like demons or. Sont comme des magiciens, des forces là. But they don't believe that there are angels here. Mais ils ne croient pas aux anges ici. There are some people who believe that they are suffering because someone cursed them. Il y a certains qui croient que non, ils sont en train de souffrir car quelqu'un les a chassés. But they don't believe that they shall rejoice because I'm blessing them here. But they don't believe that they shall rejoice because I'm blessing them. Mais now. Ils ne savent pas qu'ils doivent se réjouir parce que je suis en train de les bénir maintenant. People believe the negative more than the positive. Les gens croient au négatif plus qu'au positif. They believe that the witch doctors have some powers. Ils croient que les féticheurs ont certaines puissances. But they don't believe that the ministry has powers. Mais ils ne croient pas que les ministères ou bien les ministres ont des puissances. This pulpit can control your entire life by blessings. Cette chair peut contrôler votre vie toute entière par des bénédictions. Do you know that people actually believe more negative things than the positive? Vous savez, les gens croient beaucoup plus au négatif qu'au positif. If you hear that, if a message comes that so and so has died. Et si un message vient que telle personne est morte. People start crying before seeing the corpse. Les gens vont commencer même à pleurer avant de voir même le corps. But if you say you have money in your account, they say I don't believe. Mais that. Si vous dites que j'ai l'argent dans mon compte bancaire, ils diront ah, je ne crois pas à cela. They don't rejoice before seeing the money. Ils vont pas se réjouir avant de voir l'argent. But you must believe in every promise of God. Mais vous devez croire dans chaque promesse de Dieu. We are fighting a good fight of faith. Nous sommes en train de combattre un bon combat de la foi. And footsteps is possession. Et chaque pas, c'est une possession. When you step into your interview, you have got the job. Quand tu pars à l'interview, tu as déjà le travail. Because Joshua has told. Car à Josué, on a dit. That footsteps is possession. Que ton pas, c'est une possession. That's why when Joshua had a problem. Partout où Josué avait un problème. Let's say overflowing Jordan. Peut-être il y avait l'eau qui avait débordé. Flooded Jordan River. L'eau de Jourdain avait débordé. Because you are told that footsteps where you step, it's yours. Comme on l'avait dit que partout fouleras le plan so de tes pieds, cela t'appartient. He just told the priest that put your feet, the problem will disappear. Alors il pouvait dire au prêtre juste mettez votre pied là-bas et le problème va disparaître. Jordan opened. Et quand ils ont mis leurs pieds, le Jourdain s'est ouvert. When he saw those five kings that were threatening Israel, he said, "Come and put your feet in their neck," because he knew that wherever he steps, he has the answer. Les cinq rois qui étaient en train de menacer les enfants d'Israël,
Il a dit, venez, mettez leurs mains sur, mettez vos mains sur leur cou. Vos pieds sur leur cou. When he saw the high walls of Jericho, he knew that his feet, when he steps around, when they are marching around, is going to solve the problem. Quand ils ont vu le mur le plus long de Jéricho, ils ont dit quand ils ont, il a cru que quand ils vont commencer à contourner cela, cela va se briser, va s'écrouler. So wherever you step your feet, it's yours. Partout où foulera le plan de tes pieds, cela t'appartient. Faith is a record breaker. La foi change de situation. We want to break all records. Believe something that has never happened before. Nous devons croire à quelque chose qui n'est jamais arrivé avant. When the widow of Zarephath had that dead baby resurrected, it had never happened from Abel to that one. Quand la veuve de Zarephath qui avait un enfant qui était mort et quand celui-ci était ressuscité, c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. But she believed something that depuis never, Abel. She believed something that it never happened. Elle a cru à quelque chose qui n'est jamais arrivé. Even if there is no one in your family that was ever married in a white wedding, you should be the first one to break the records. Même si il n'y a personne dans votre famille qui s'est jamais marié, tu seras la première à faire cela. Even if there is no one in your family who is a preacher, you can break the records. Même s'il n'y a personne dans votre famille qui est un prédicateur, toi tu peux changer de situation. Even if there is no one in your family that went to university, you can break the records. Même s'il n'y a personne dans votre famille qui n'est jamais arrivé à l'université, toi tu peux changer de situation. We have our spiritual Guinness Book of Records where you break records spiritually. Il y a tout un livre là où on brise, on change des situations spirituellement. Faith is a badge of authority, like a policeman with that badge there. When he say, when he stops even a cognet, it will stop. La foi c'est comme les étoiles des autorités, c'est comme des insignes de l'autorité, des grades. When you stop a cognet, it will stop. Quand vous arrêtez même un trac, ça va s'arrêter. There are no big situations that we cannot manage here. Il n'y a pas de situations si grandes qu'on ne peut pas gérer ici. When the policeman raises his hand. Quand un policier lève sa main, if the cognet does not stop, si le trac ne s'arrête pas, it will have problems with the one who sent the policeman. Cela aura un problème avec celui qui a envoyé le roulage. If I'm stopping your situations that are raging today, je stoppe la situation qui te dérange aujourd'hui. If they don't stop, si cette situation ne s'arrête pas, a problem with the one that sent me. Quel que soit, ça aura des problèmes avec celui qui m'a envoyé. Faith is a way maker. La foi, c'est quelqu'un qui ouvre des voies. Even if there is no way, it's going to open a way in the Red Sea. Même s'il n'y a pas de voie, ça va ouvrir, frayer une voie à travers la mer Rouge. Faith is a telescope. La foi est une télescope. We are zooming the promises closer to us. Nous sommes en train de zoomer les promesses plus près de nous. Les rapprocher plus près de nous. By faith, I can see it afar. Par la foi, je peux les voir de loin. Faith is invincibility. You cannot be defeated if you have faith. La foi est invincible. Tu ne peux pas être vaincu avec la foi. Faith is omnipotence. La foi est omnipotente. When two omnipotents meet, something is going to happen. Quand deux omnipotents se rencontrent, quelque chose va arriver. A believer is omnipotent. Un croyant est omnipotent. There is nothing too hard for you, brother. Il n'y a rien qui soit difficile pour toi, mon frère. If under the blood of bulls and goats they stopped the sun, they created locusts, what more under the blood of Christ? Si sous le sang des taureaux et des animaux, ils ont arrêté le soleil, ils ont créé les sauterelles. Mais à combien plus forte raison, nous qui sommes sous le sang de Christ. These are more Bible days than Bible days because Bible days were pointing to these days. Ceci est plus que le jour de la Bible, car le jour de la Bible nous pointait à ces jours-ci. You see, when a child is born, quand un enfant est né, they are born with the hands and everything. Ils sont nés avec les mains et toutes choses. But there is a time when they are playing. Mais il y a un temps où ils commencent à jouer. They discover their hand for the first time. Et ils vont découvrir leur main pour la première fois. They start saying, oh, what a great thing that I have. Ils vont commencer à dire, oh, quelle grande chose j'ai. Oh, though they were born with that hand, alors qu'ils étaient nés avec ces mains, the day they discover it, mais le jour qu'ils ont découvert cela, they start using it. Ils ont commencé à l'utiliser. You have the power in you. Donc tu as la puissance en toi. You must discover, tu n'as qu'à découvrir what cela. You already have it. Découvrir ce que tu as déjà. If you are born a child of God, si tu es né un enfant de Dieu, there is power in you to speak the devil out of existence. Il y a la puissance en toi de chasser le diable de l'existence. The day you discover that power, brother, le jour où tu découvriras cette puissance, mon if frère, you discover it now, the devil will leave you now. Si tu découvres cela maintenant, le diable te quittera maintenant. If you discover it now, the Holy Ghost will fill you now. Si tu découvres cela maintenant, le Saint-Esprit te remplira maintenant. It, if you
discover it now, it is unlimited what can happen. Si tu découvres cela maintenant, c'est illimité ce qui peut arriver. It is unlimited what can happen in this service. C'est illimité ce qui peut arriver dans ce service. Are you ready for a miracle? Êtes-vous prêt pour le miracle? Are you ready to see the power of God? Êtes-vous prêt pour voir la main de Dieu? God can do it now. Dieu peut le faire maintenant. Because the Bible says now faith. Maintenant, la Bible dit et la foi. Not tomorrow faith. Pas la foi de demain. It says now faith. La foi d'aujourd'hui. I'm not talking about what shall happen tomorrow. Je ne parle pas de ce qui arrivera demain. If you need your answer tomorrow, see me tomorrow. Si tu veux, tu as besoin de ta réponse demain, alors viens But me voir demain. If you need your answer now, you need to act now. Si tu as besoin de la réponse maintenant, tu dois agir maintenant. This is your day, my brother. Ceci est ton jour, This mon is your day, my sister. Ceci est ton jour, ma soeur. You must refuse to sign the devil's passer. Tu dois refuser de signer le colis de diable. You are not a sick person. Tu n'es pas une personne malade. But by his stripes you are healed. Car par même ses maîtrisures nous sommes Every guéris. Sick person, I pronounce them healed now. Chaque personne qui est malade, je le prononce guéri maintenant. There is no disease. Il n'y a aucune maladie. That is bigger than the word of God. Qui est plus grande que la parole de Dieu. I'm silencing diabetes. Je suis en train de... Diabetes must move in the name of Jesus Christ. Le diabète doit quitter dans le nom de Jésus. These days in technology. Aujourd'hui dans les technologies. People have circuits, electrical circuits. Les gens ont des circuits électriques. In their homes where. Dans leurs maisons. That are voice controlled. Qui sont contrôlés par la voix. You just go into your home and say lights on. Tu pars dans ta maison, tu dis que la lumière s'allume. You just see lights going on. Et la lumière s'allume de soi. You just tell your phone dial so and so. Et tu peux utiliser ton téléphone appeler n'importe qui. Without touching the phone, it just dials that person. Sans toucher le téléphone, tu cites le nom et Even without laying hands on people, your situation is voice controlled. Même sans imposer les mains sur les gens, ta situation peut connaître ta voix. If we say to this mountain, be thou moved. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi. Speak to your mountain. Parle à ta montagne. Caleb said. Caleb pouvait dire. Give me my mountain. Donne-moi ma montagne. So there are mountains that we are speaking out of existence, and there are mountains that we are gaining as our possession. Il y a des montagnes que nous allons parler à l'existence. Il y a aussi des montagnes que nous allons gagner. Because there are spiritual heights that we are gaining. Because there are spiritual heights that we are gaining. Car il y a des hauteurs spirituelles que nous devons gagner. Listen, brothers, I'm about to close. The same power that opened the Red Sea. Je suis prêt à terminer. La même puissance qui a ouvert la mer Rouge. Can open a way. It's here today. Peut ouvrir une voie. Il est ici maintenant. The same power that stopped the raging bull. La même puissance qui avait arrêté le taureau meurtrier. Can stop your raging situations. Peut arrêter ta situation meurtrière aujourd'hui. The same power that stopped the sun. La même puissance qui avait arrêté le soleil stop your BP. Peut arrêter ta tuberculose. The Bible says the sin of Israel is that they limited the Holy One of Israel. Le péché d'Israël c'était qu'il limitait le Saint d'Israël. Don't limit God. Just Alors, believe that anything can just happen now. Ne limitez pas Dieu. Croyez seulement que toute chose peut arriver maintenant. I'm not here to preach about faith. Je ne suis pas ici pour prêcher sur la foi. But to demonstrate faith. Mais pour démontrer la foi. To see it happening. Pour voir cela arriver. The message is not a museum. Le message n'est pas un musée. Where you say in 1947. Là où vous dites non en 1947. In 1965. En 1965. It's continuous even now. Non, cela est continué à être vu même maintenant. And if you believe like Sister Hetty, what happened to Sister Hetty can happen to you. Si tu crois comme la sœur Hetty, ce qui est arrivé à la sœur Hetty peut arriver aussi aujourd'hui. There is power in the written word. Il y a la puissance dans la parole écrite. There is power in the spoken word. Il y a la puissance dans la parole parlée. There is power in the anointed word. Il y a la puissance dans la parole ointe. There is power in the revealed word. Il y a la puissance dans la parole révélée. There is power in the manifested word. Il y a la puissance dans la parole manifestée. And there is power in you as the written epistle. Et il y a aussi la puissance en vous comme étant une épître écrite. I'm going to read maybe a few quotes then I close. Je vais lire quelques situations puis je ferme. Faith knows no defeat. La foi ne connaît pas d'échec. This one thing I know, I've never seen God fail these people. Je n'ai jamais vu Dieu faillir dans ces gens. Faith does not fear anything that tomorrow holds. La foi n'a pas peur de ce que demain nous réserve. You may not know what tomorrow holds, but you know who holds tomorrow. Tu ne connais pas ce que demain nous réserve, mais tu connais celui qui tient le futur. There are not demonic roadblocks that can block faith. It's going to pass through there. Il n'y a pas de blocage
blocage démoniaque qui peut arrêter ta foi. La foi va passer à travers là. There are not demonic roadblocks from your family that can block you from being successful. You are going to pass through those obstacles. Il n'y a pas de blocage familial qui peut arrêter la foi. Tu vas passer à travers là. Faith is a positive confession all the time, even if things are hard. La foi a une confession positive tout le temps, même si les choses sont difficiles. They overcame by the blood of Lamb and by the words of their testimony. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. The problem with people, they want to ask, what if it doesn't happen? Le problème avec les gens, ils se posent des questions. Mais qu'arrivera-t-il si ceci n'arrive pas? My question is, what if it happens? Alors ma question est, mais si cela arrive? We don't look at what if it doesn't happen because it's going to happen. Nous ne regardons pas si cela n'arrive pas car ça va arriver. The how question is not your question. Cette question-là n'est pas à toi. God knows how it's going to happen in a way that you don't know how. Dieu connaît comment cela va arriver d'une manière que toi tu ne connais pas. God said so, I believe it, that settles it. Dieu l'a dit, je le crois et ça règle la question. Faith rests on the word of God, not on the gifts of men. Don't look at our gifts and whatever. Look at the word. It has the power. It will defeat Satan anytime, any place, under any circumstances. Dieu, la foi se repose sur la parole de Dieu. Ça ne se repose pas sur les dons des hommes. Ne regardez pas à nos dons. So today, everyone will speak to their mountain. Alors aujourd'hui, chacun va parler à sa montagne. You speak to your situation. Tu dois parler à ta situation. And your situation will hear you today. Et ta situation va t'écouter aujourd'hui. Because when faith speaks. Car quand la foi parle, diseases are silenced. Les maladies sont silencieuses. When faith speaks, quand la foi parle, doubts are silenced. Les doutes sont silencieux. On the wings of a snow white dove, sur les ailes d'une colombe blanche, God is answering his people today. Dieu répond à son peuple aujourd'hui. Because faith was not forgotten, car la foi n'était pas oubliée. From the Father above, du Père en haut. I'm talking to those who have been praying for years, looking for an answer. I'm saying today the answer is coming. Je parle aux gens qui ont prié pour des années cherchant la réponse. Je vous dis aujourd'hui, vous aurez la réponse. Every giant that was fighting you is down now. Chaque géant qui te combattait, il est par terre aujourd'hui. When the head of Goliath was removed, no one was a spectator. Everyone ran after their own Philistine. Quand la tête de Goliath a été coupée, personne n'était resté là-bas comme spectateur. Tout le monde a suivi son Philistin. So Goliath is down. Run after your situation. Alors Goliath aujourd'hui est par terre. Alors suis ta situation. We have an open check. Nous avons un chèque ouvert. What things soever you desire. Tout ce que tu as besoin. If you believe it now, wherever you are. Si tu le crois maintenant, partout où tu es. You can receive it now. Tu peux le recevoir maintenant. There is power here. Il y a la puissance ici. Under this atmosphere. Sous cette atmosphère. Anything can happen. Que n'importe quoi peut arriver. There is a powerful atmosphere here. Il y a l'atmosphère puissante ici. You see, if you are fighting flies, si vous êtes en train de combattre contre les mouches, you don't look for a broomstick and run after them one. Vous n'allez pas chercher un balai et commencer à taper une par une. You just spray the atmosphere, change the atmosphere, they will fall one by vous one. Vous allez juste changer l'atmosphère avec le doom et l'insecticide. So under this atmosphere, demons are falling and vanishing. Alors sous l'atmosphère, cette atmosphère, les diables sont en train de tomber et détruits. You see, I'm joining every statement that the man of God said in this about you. Je suis en train de rejoindre toutes les déclarations que les hommes de Dieu ont dit ici à propos de vous. Every good thing that was said about you in this pulpit. Toutes les bonnes choses qui ont été dites à propos de vous sur cette chair. I'm joining it for one explosion. Je suis en train de les rejoindre pour une explosion. In this service, I can effect every statement that was said about you. Dans ce service, je peux expérimenter toute chose qui a été dite pour toi. Every man of God will say it, you shall enter courtship. I'm saying it's now a spiritual emergency. Maintenant, tout homme de Dieu qui a dit que tu vas commencer ta fréquentation, je vais dire que maintenant ça devient une urgence spirituelle. Your situation is a spiritual emergency. Something must be done now. Ta situation, c'est une urgence spirituelle. Quelque chose doit arriver maintenant même. I'm not going to allow any devil to escape now. Je ne peux pas permettre à ce qu'un diable puisse ou un démon puisse s'échapper. I'm arresting every devil now. J'arrête tout démon maintenant même. There is power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. To break every chain. Pour briser toute chaîne. We are the army that is rising up. Nous sommes l'armée qui s'élève. To break every chain. Pour briser toute chaîne. Chains of unbelief are breaking. Les chaînes de l'incrédulité nous brisons. Chains of broken marriage are breaking. Les chaînes de mariage brisés nous brisons. Chains of sicknesses are breaking. Les chaînes de maladie nous les brisons. Be ready for a miracle. Sois prêt pour le miracle. Be ready to receive. Sois prêt pour recevoir. There is power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. To change you all together completely. Changer complètement. The
release power right now. We are releasing that power. Nous sommes en train de relâcher cette puissance. We are releasing that power. Nous relâchons cette puissance. Such as we have. Comme ce que nous avons. We give unto you. Nous vous les donnons. The word is moving from quotation. La parole est en train de quitter les quotations, les citations. To reality. À la réalité. What you have read about. Ce que tu as lu. You can see it in reality today. Tu peux le voir en réalité aujourd'hui. As we stand to our feet, I'll read this quote. Alors que nous nous tenons debout, je vais lire cette situation. If you are the sons of God, si vous êtes le fils de Dieu, you are like God. Vous êtes comme Dieu. Do you know that what God is? Vous savez que ce que Dieu est? That's what we are in a measure. C'est ce que nous sommes aussi en faible mesure. If God is a creator, si Dieu est créateur, we have creative power. Nous avons aussi la puissance créative. If God is God, si Dieu est Dieu, you are also gods. Vous êtes aussi des dieux. If God is the king, si Dieu est le roi, he has made us kings. Il a fait de nous aussi des rois. If God is a priest, si Dieu est sacrificateur, he has made us priests. Il a fait aussi de nous des sacrificateurs. If God is light, si Dieu est la lumière, he has made us light. Il a fait de nous des lumières. If God is the Messiah, si Dieu est le Messie, we are also messiahs. Nous sommes aussi des messiettes. We are the power. Nous avons la puissance. That is shaking this hour. Qui est en train de secouer cette heure. All hell is afraid of us. Tout l'enfer a peur de nous. I know demons are already shivering. Now, je sais maintenant que je vois maintenant que le diable because est en train they know de trembler. That I'm about to launch a missile. Car ils savent que je suis prêt à lancer la to missile. Release the people of God pour relâcher le peuple de Dieu. From bondage. De l'esclavagisme. I'm saying enough is enough. J'ai dit assez c'est assez. Every one that is bound. Tout celui qui est. Are you not sick and tired of slavery? Vous êtes malade, fatigué d'esclavagisme? Are you not sick and tired of your sinful life? N'êtes-vous fatigué de votre vie de péché? The Spirit of the Lord is upon me now. L'Esprit de Dieu sur moi maintenant. He has anointed me to preach deliverance. Il m'a envoyé pour prêcher la délivrance. Even if doctors have failed your case, même si les docteurs ont failli à ton cas, I present a great physician. Je te présente le grand médecin. The great emancipator. Le grand médecin. He can never fail you. Il ne peut pas te faillir. He is the great El Elohim. Il est le grand El Elohim. He is the King Theophany. Il est le roi Théophany. He is Jehovah Jireh. Il est Jehovah Jireh. He is Jehovah Rapha. Il est Jehovah Rapha. He is ready to perform. Il est prêt à faire. I don't care what you are passing through. Je m'en fous de quelle situation tu passes. But I'm commanding every demon to flee. Mais je commande à chaque démon de quitter. Every unclean spirit. Chaque esprit impur. Must go right now. Doit partir maintenant même. I'm not talking about tomorrow. Je ne parle pas de demain. I'm saying now, j'ai dit maintenant, you can receive the Holy Spirit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Wherever you are, partout où tu es, receive the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit is la puissance du Saint-Esprit the ici. Presence of the Lord is here. La présence du Seigneur est in ici. The presence of Jehovah. Dans la présence de Jéhovah. That supernatural happen. Il y a des choses surnaturelles qui you arrivent. See people reject your diabetes. Les gens qui ont le diabète. Reject your HIV. Rejeter le diabète, rejeter le sida. Do you believe that God heals you now? Crois que Dieu t'a guéri maintenant? Do you believe that is gone? Crois-tu que c'est parti. I put every spirit under my feet. Je prends tout esprit sous mes pieds. I'm feeling vibrations. Je sens les vibrations. I'm feeling vibrations. Je sens les vibrations. Of the anointing of the Holy Spirit. L'onction du Saint-Esprit. Anything can happen. Toute chose peut arriver. I want to see young boys receiving the Holy Spirit. Je veux voir les gens recevoir le Saint-Esprit. Be ready now. Soyez prêts maintenant. Something is fixing to happen. Quelque chose est prêt à arriver. There's a power that is moving now. Il y a la puissance qui se déplace. And there are no devils in hell. Il n'y a pas assez de démons en enfer. Stop your deliverance. Stopper ta délivrance. If you are bound by family spirit, si tu es lié par l'esprit de famille, in the name of Jesus c'est la terminée dans le nom de Jésus. If you are a sinner, si tu es un pécheur, there is a fountain filled with the blood. Il y a une fontaine remplie du sang. One drop of the blood of Jesus, une goutte du sang de Jésus can change even a witch, peut changer même un sorcier. It can change the violent offender. Ça peut changer même le... If you are a newcomer, si tu es un nouveau venu, there is power here to change you. Il y a la puissance ici pour changer. That power is operating now. La puissance est en train d'agir. Before I touch anyone, avant que je touche n'importe that qui, hand is moving now. Sa main est en train de se déplacer. The word is nigh thee. La parole maintenant est even in your mouth, même dans ta as you speak and go forward. Alors que tu parles, tu don't vas de l'avant. Fear, my sister, don't fear. N'aie pas peur, mon frère, n'aie I've pas peur, ma soeur. God opening the eyes of the blind. J'ai vu Dieu ouvrir les yeux des aveugles. I've seen God raising them from wheelchairs. J'ai vu Dieu soulever les gens de leurs chaises roulantes. I'm seeing now. Il y a quelque chose maintenant. Nothing can stop God. Rien ne peut arrêter Dieu. And no demon can hide. Aucun démon peut se no demon can
hide. Aucun démon peut se cacher. I'm declaring war. Je déclare la guerre. With unclean spirits. Contre les esprits impurs. There is no devil that can escape. Il n'y a aucun diable qui peut s'échapper. We are coming against you, Satan. Nous venons contre toi, Satan. We are carrying the slingshot. Ayant la fronde. Every child must fall. Chaque géant doit tomber. Those who are coming to the altar. Ceux qui viennent à la chair. Don't kneel down, stand there. Ne vous agenouillez pas, mais tenez-vous so debout. That when I can be able to assist you quickly. Maintenant, de manière que je sois prêt à vous aider. Something is happening now. Quelque chose est en train d'arriver. You can't believe what I'm seeing here. The hand of God is moving among the people. La main de Dieu est en train de se déplacer parmi les gens. You can never be the same. Tu ne peux pas être le même. You can never be the same. Tu ne peux pas être le même. If we pray for you and you are sick. Si nous prions pour toi que tu es malade. Don't fear to go back to the doctors to be tested. N'ayez pas peur d'aller vers le docteur et d'être faire l'examen. Don't fear. N'ayez pas peur. The power that is here, brother. La puissance qui est ici maintenant. Can deal with every situation. Qui peut traiter chaque situation. If you are praying for your teenager boy that is now wayward, that is not worshiping. Si vous priez pour votre adolescent qui est allé dans le monde, qui n'adore pas. Like to sister Hetty. Comme les enfants de la sœur Hetty. I give you your children. Je te donne tes enfants. The prophet says. Le prophète a dit. A time will come. Un temps viendra. Where a brother will say, I give you rain. Où les frères diront que je te donne la pluie. And the rain will come to your field. Et la pluie viendra sur ton champ. There shall be showers of blessing. Il y aura la pluie de bénédiction. There shall be a mighty visitation. Il y aura une visitation puissante. May the floodgates of heaven, may the doors of heaven open now. Il y a les portes du ciel qui sont ouvertes maintenant. I invite the pillar of fire now. J'invite la colonne de feu maintenant. To start moving from person to person. Pour commencer à se déplacer d'une personne I à l'autre. Invite the pillar of fire now. J'invite la colonne de feu. Those who are at the altar. Ceux qui sont à la chair. You are aware of something that is happening now. Vous êtes averti de quelque chose qui est prêt à arriver maintenant. There is a presence that is here. Il y a là une présence ici. And as you connect to that presence. Si vous êtes connecté à cette présence. You will be free today. Tu seras libre aujourd'hui. It's an amnesty. C'est une amnestie. It's an amnesty. C'est une amnestie. You are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Shout the victory. Nous chantons la shout victoire. The victory. Nous crions la victoire. The walls of Jericho are falling. Les murs de Jéricho sont as tombés. You shout the victory. Alors que nous crions la as victoire. Paul and Silas were praising God. Comme Paul et Silas en train de louer Dieu. The chains were breaking. Les chaînes s'est brisées. It is not secret what God can do. Ce n'est pas It is not secret what God can do. C'est pas secret ce que Dieu peut faire. That power is moving now. Yeah, cette puissance est en train de se déplacer. That power is moving now. Cette puissance se déplace. Sisters, do you believe God? Mes sœurs, croyez-vous en Dieu? Brothers, do you believe God? Mes frères, croyez-vous en Dieu? He is able. Il est capable. He is the present help. Il est capable. In time of need. Il est l'aide présente en temps de besoin. He is the present help. Il est l'aide présente. In time of need. En temps de besoin. My sister with that child there, believe that child is healed now. Ma sœur avec cet enfant là croit que cet enfant est guéri maintenant. In one of the meetings of the prophet. Et l'une des réunions des prophètes. There is a sister who came with a dead baby. Il y a eu une sœur qui était venue avec un enfant mort. She said, I'm not going back with a dead baby. Elle a dit que je ne rentre pas avec cet enfant mort. You may be carrying a dead situation of finances or marriage or spiritual life or prayer life. Peut-être vous avez une situation morte, peut-être financièrement. But you are saying, I'm not going back with this. Mais tu dois dire qu'aujourd'hui je ne rentre pas avec ceci. You are saying, something must happen. Tu dis que quelque chose doit arriver. Something must happen. Quelque chose doit arriver. God, when there is a deep calling to a deep, quand il y a une profondeur qui appelle à une profondeur, there must be a deep somewhere. Il doit y avoir une profondeur quelque part. To answer that deep. Pour répondre à cela.